crois qu'on peut dire que j'assure. C'est qu'il a léché pour le héros de la soirée maintenant. Que ça, qu'est-ce que tu fous? Je réponds. Ok, et je veux aussi ton cul poupé. Mais qui parle comme ça? Bah, moi. Et ça marche. Y'a un mini-mec dans le four. C'est normal. Nos couilles sont à la hauteur de ses yeux. Le fais pas, mon pote. T'es beaucoup trop gros. Ferme-la. Macub, et c'est mon anniversaire. Ce sera super, ça vaut vraiment le coup que tu passes. C'est dans Deacon Street. C'est votre fête, c'est vous qui organisez là-bas? Mais bah voilà, oh, c'est là que je vais. Ça va être un truc de ouf, cool. Allez, je vous dis à ce soir alors. Quoi? Occupe-toi de ta caisse, fossile. Il y a beaucoup plus de 50 personnes là. Bien sûr, les invités étaient pour deux. Ça vous dérange pas de décoller de la voiture? Mon père va piquer une crise s'il y a la moindre marque dessus. Thomas, j'ai encore eu un appel. Je suis sûr que les voisins exagèrent. C'est l'heure d'y mettre un terme. T'es pas sérieux? C'est une soirée géniale. Soit t'arrêtes ça, soit j'appelle les flics. C'est moi qui appelle les flics maintenant! Te gêne pas, petit génie, tout a été filmé! Tout ce que j'ai, c'est vous qui frappez le petit en plein visage. JB, tu cherches quoi? Des capotes, j'ai un super coup qui m'attend en bas. Ce qui t'attend, c'est une montée de diabète, gros tas de merde. On a la journée de demain pour tout remettre en ordre. Et ça, tu y as pensé? Et si mes parents voient ça? Personne ne verra jamais ce film sauf nous, je te le promets. Vous savez, cette soirée entre gamins à Pasadena, vous avez vu les images?